Et bonjour à tous, c'est Misaki Taro. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette saison 4. Donc deuxième saison avec le club Middleham. Pour le moment, petit récap, nous sommes premiers avec 2 points d'avance sur le SFC qui sera notre prochain adversaire. On a une équipe plutôt solide avec des gros joueurs. Je vais vous les montrer très rapidement. Notre numéro 10 ici qui a 4 de force, qui se situe sur la zone latérale. On a mon fameux joueur que j'apprécie énormément, le Sanchazuble ici avec 4 de force et son pouvoir de marquer un but supplémentaire avec 2 forces physiques. Ensuite, on a notre 6 ici qui a 3 de force. Ensuite, on a notre numéro 3 ici, le défenseur, qui a 3 de force. Et on a notre gardien ici avec 2 arrêts à 4 de force. Voilà, je trouve que pour moi c'est le meilleur gardien. Hein, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir. J'ai pris déjà mes ressources pour cette avant-dernière semaine. Donc le but pour ces 2 dernières semaines va être de faire un maximum de points de victoire car il nous en faut 41 pour accéder à la prochaine saison. Si on ne fait pas ces 41 points, nous aurons perdu et c'est hors de question que ça s'arrête là. Puisque l'objectif principal est de finir champion, il y a de grandes chances que ça fonctionne, mais je veux mes 41 points de victoire pour pouvoir passer au prochain club qui sera Dafton United. Eh bien écoutez, j'ai hâte de découvrir ça si jamais on y arrive. Et puis surtout, en finissant premier de ce championnat, nous allons gagner une autre coupe et donc un autre effet. Pour l'instant, nous avions gagné celle-ci avec le BFC. Donc on a un effet, un jour où j'ai envie d'utiliser, on peut retourner cette carte et marquer un but. Par contre, les points de victoire comptent pour les points de victoire de la campagne entière, donc toutes les saisons confondues. Si jamais un jour je veux refaire une saison, eh bien je regarderai par rapport à mon score que j'aurai fait et on verra ça tous ensemble. Bien sûr, je vous attends pour la fin de saison avec le score que j'aurai obtenu pour la totalité de la campagne. Ceci dit, eh bien on va pouvoir commencer. J'ai pris mes ressources, on va pouvoir y aller pour le conseil. Alors, ça nous dit, démon du jeu, l'un de nos joueurs fréquente souvent les casinos, ce n'est pas bon pour notre image, que devons-nous faire? Alors, c'est parti. 3. Donc c'est bleu, jaune, bleu, donc c'est bleu. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous ne pouvez relancer aucun dé cette semaine. Je m'en fiche, je ne joue pas avec les relances, quasiment jamais, ou sauf quand mes supporters sont à 5, ce qui n'est pas le cas. Donc, j'accepte la décision. On va passer au mardi. Alors, au mardi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce mardi? J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 millions. 7 millions, ça part très vite. On va pas se mentir. Je vais faire. Ouais, on va faire ça, tant pis. Pour 3 millions, je vais acheter monsieur Charles Simpson, ici même, et augmenter mon revenu par semaine de 1 pour le vert. Au moins, comme ça, je sais que je pourrais faire à chaque fois double effet. Et puis, son effet, c'est de gagner 2 ressources de mon choix. Ça peut toujours être sympathique. Ensuite, pour deuxième action, que je vais utiliser, eh bien, forcément, hein, je vais utiliser notre ami Judy Lubeck, qui va nous donner 2 forces physiques. Voilà. Ensuite, on va passer donc au mercredi. Au mercredi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, je peux faire jouer tous mes joueurs, donc ça c'est ok. Je vais prendre un sponsor et le vendre pour gagner 5 millions. Tac. Et oui, je vais avoir besoin d'argent
1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, en deuxième action, j'utilisais mes deux verres qui me restent. Ouais, reste avec nous. Mes deux verres. Je vais utiliser l'effet de Chloé Davis qui va me permettre de construire mon bureau pour 1 million de moins. Et donc, au lieu de 5, ça me coûtera 4 millions. 1, 2, 3, 4. Ok. J'avais dit qu'on allait travailler sur le bureau. Je vais essayer de travailler parce que c'est quand même 15 points de victoire. C'est énorme. Puisque déjà, si on arrive à faire le bureau à fond, qui est là, plus premier au championnat, ça nous fait déjà 30 points de victoire. On a quasiment réussi l'objectif. Donc, c'est pour ça que j'essaie de travailler là-dessus. Ça, c'était ma deuxième action. Donc, on va passer au jeudi. Alors, le jeudi, là, il va falloir que je compte. J'ai 5 encadrants déjà. Voilà. Donc, ça me coûte 2, 5, 7 millions. 7 millions moins 3, 4 millions moins 1, 3 millions. Ok. Donc, il me reste 2. Il me reste 2 millions, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 2 millions. Ce que je vais faire, eh ben je vais prévoir pour la dernière semaine, du coup. Je vais vendre ce sponsor qui va me rapporter 6 millions. On va essayer de prendre un max d'argent. Donc je prends une plaquette. Hop, plus 1. On va prendre un max d'argent, comme ça on va pouvoir essayer de monter le bureau au maximum. Et puis bah, essayer de faire le mieux qu'on peut. Hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. C'était ma dernière action de la semaine. Donc on y va. On passe au week-end, jour de match. Alors on va placer comme d'habitude nos fans. Ensuite on va placer comme d'habitude nos forces physiques. Donc un sur le gardien, un sur le défenseur, un sur le numéro 6. Un sur le numéro 3 avec deux forces physiques pour son pouvoir. Et le numéro 10. Comme ça, tout le monde joue. Il n'y a pas de problème. Ici, il nous reste nos millions. Ça, c'est fait. On va regarder le scout. Alors, le SSC, c'est une équipe moyenne. Elle parviendra probablement à éviter la relégation. Mais elle a peu de chances d'être promue. Elle se concentre sur les pressings et les contre-attaques. De ce fait, les joueurs en attaque lancent rarement des actions individuelles. Elle joue en 3-5-2. Et oui, et c'est la question que je me pose à tous les scénarios. Je ne sais jamais comment interpréter cette carte. Moi, je serais d'avis de faire ça. Il joue avec deux attaquants. Moi, je serais d'avis de faire ça. Et puis, on verra bien. Normalement, on a une équipe assez solide. Si on perd, c'est vraiment qu'on est mauvais. Bon, allez, on y va comme ça. Let's go, SSC. Ça shoote pas à gauche. Bah, ça tombe bien, nous non plus. On a que deux défenseurs. Ça shoote pas à droite. Alors, nous, par contre, oui. Notre 10 ici, il a 4 de force. Il passe par-dessus celui-là. Et il passe par-dessus le gardien. 1-0. Ensuite, on a notre 6. Vous voyez pas, je vais peut-être décaler un tout petit truc. Voilà. On a notre 6 qui est là, qui a 3 de force. Et 3 de force, il se fait bloquer par le défenseur. Ensuite, ici, au milieu, tout en haut dans sa défense, il a un shoot à 3. On n'a pas de défense. Mais on a un gardien qui a 4 de force. Donc, il l'arrête. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Alors là, attention. Il shoot à 2, il shoot à 2, il shoot à 1. On n'a pas de défense. Hein. Donc, il shoot à 2. Le premier est arrêté. Ensuite, il re-shoot à 2. J'ai plus d'arrêt. Donc, il marque. Ensuite, il re-shoot à 1. J'ai plus d'arrêt. Il marque. Donc, il passe devant nous. 2 à 1. Ensuite, c'est à nous de shooter. Donc, mon sang chasuble, il a 4 de force. Il n'a pas de défenseur. Son gardien a 2. Donc, on passe. 2-2. Ensuite, j'ai deux shoots à 1 de force. Aucune défense. Son gardien peut en bloquer un. Pas de souci. Mais le deuxième, il ne peut pas l'arrêter. 3-2. Ensuite, on passe en bas. Il a un défenseur à 1. Moi, j'ai un shoot à 1, donc c'est bloqué.
Et mon défenseur sert à rien. Donc ça s'arrête là. Il me reste mon pouvoir de mon joueur. 4 à 2. On a gagné. 4 à 2. C'est moins que d'habitude. Parce qu'il a, il a beaucoup shooté au milieu de terrain, mais est-ce que j'aurais pu faire mieux que ça? Je pense pas, honnêtement. Honnêtement, je pense pas que j'aurais pu faire mieux que 4-2 là, sur le coup. Non. Non, mais c'est une bonne équipe quand même, hein, parce qu'il y a quand même deux gros défenseurs à 3, trois défenseurs à 3. Donc deux sur les latéraux, un au milieu. Un shoot à 3, deux shoots à 2. Ouais, ils ont une belle équipe quand même. Hein. Bon. Néanmoins, c'est quand même la victoire pour nous. Donc on va pouvoir reset nos gardiens. On va reset les forces physiques. Voilà. On va pouvoir faire le G pour la fin de match. 2, c'est moche. C'est une blessure grave pour un joueur. Alors, on n'a pas beaucoup de numéros. On va voir ce que ça peut donner. De toute façon, je vais pouvoir reroll. Donc 3. C'est notre défenseur. Eh ben tant pis, le défenseur ne jouera pas le dernier match. Alors. Vous m'excuserez, j'en mets qu'une. De toute façon, il ne peut pas jouer. Donc, bon. Et vu qu'il reste qu'un match, ce sera fait. Ok, on va passer au résultat de la ligue. Alors, la ligue, ben, on est en haut, donc on a gagné. Ensuite, le SFC, contre qui on vient de jouer, vient de perdre. Ensuite, les Blackstone Kings. Ils gagnent. Hop. Ensuite, les Downtown United. Match nul. Ensuite, les Dafton United. Ils perdent. Ensuite, les Bulls. Ils perdent. Ensuite, on passe au Cornfield. Match nul. Et enfin, le BFC. Ils perdent. Bon, alors on voit qu'on est bien premier ici, tranquillement devant, hein, il n'y a pas de souci, et que notre rival est juste derrière nous. Donc on a bien fait de gagner tous les matchs. Les Blackstone Kings sont revenus malgré leur défaite au premier match contre nous. Donc ça c'est fait, ça on va pouvoir l'enlever. Et donc le dernier match, je crois que c'est les Cornfields, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est les Cornfields, le dernier match. Donc, normalement ça ne devrait pas poser de problème puisqu'ils sont avant-derniers. Ensuite on va payer nos frais, donc on a 2 millions, 5 millions, 7 millions, comme d'habitude. Donc 7 millions moins 3, ça fait 4 millions, moins 1 parce que j'ai des vis, donc ça fait 3 millions à payer. Ils sont là. Ça c'est fait. Ensuite on redresse les cartes. Ensuite on enlève la dernière carte de chaque pile. Voilà. Tac, ça on n'en veut pas. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on reprend nouvelle semaine, nos compteurs. Donc 4 millions, 3 fans, 4 verts et 4 bleus. Voilà. Et puis, bon, on va démarrer la dernière semaine. C'est parti. Donc, le conseil. Alors, les supporters se plaignent que nos tribunes tombent en ruine. Cela fait des années que ça dure. Devons-nous les réparer? Alors, si on tombe sur le bleu, on n'est pas bien. Clairement, je ne veux pas le bleu. Deux, c'est jaune. Jaune, jaune, bleu. Donc, c'est jaune. Où est-ce qu'elle est la carte d'ailleurs? Placez un zigoui-gouï là sur n'importe laquelle de vos tribunes, vous ne pouvez plus l'utiliser pour le reste de la partie. Et ben on va mettre un zigoui-gouï sur le 4, puisque de toute façon on n'y va jamais, donc c'est pas un problème. Voilà, on a nos trois tribunes avant, donc c'est pas un souci. Mais, vous savez quoi, je vais tourner plus la caméra comme ça pour l'instant, puisqu'on verra après pour le match final. Donc ça c'était le lundi, on va passer au mardi. Alors, au mardi. Comment est-ce qu'on va jouer ça? Je vais le faire.
Je vais payer 5 millions. Et oui, c'est beaucoup. Pour construire le bureau. Hop. Ça, c'était ma première action. Ensuite, je vais utiliser deux verres pour utiliser notre ami Judy Lubeck pour avoir deux forces physiques, bien entendu. Ça, c'était mes actions du mardi. Ensuite, on va passer au mercredi. Au mercredi, je vais utiliser l'effet de Chloé Davis qui me fait construire un bureau pour 1 million de moins. Donc le dernier, c'est 7 moins 1, 6 millions. Il m'en manque un peu. Voilà, là, il y en a 6. 6 millions, oui, ça coûte cher. Voilà, mais au moins mon bureau est à fond. Ensuite, en deuxième action, je vais payer 2 verres et je vais utiliser l'effet de Mehdi, Mehdi, pardon, Hiroki pour gagner 2 forces physiques. Normalement, je dois avoir le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on est bon. Et il me reste une seule action. Et donc une seule action, sachant que je vais devoir payer des frais à la fin de la semaine et qu'il ne me reste que 1 million, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ça pour gagner 5 millions, malheureusement. Parce que bah, si je ne le fais pas, je prends des cartons rouges. Et les cartons rouges, c'est des points de victoire en moins. Et donc ça, c'est pas cool. Ouais, je pense que je ne peux pas faire mieux que ça, malheureusement. J'espère que ça suffira. On verra. Eh bien, écoutez, on passe au dernier match de la saison. Et donc, c'est contre les Cornfields. On va commencer par mettre nos fans. Ensuite, on va mettre nos forces physiques, donc le gardien. Ah oui, c'est vrai que oh oui, j'en ai utilisé une de trop. Ah, la nouille! Ah là là, c'est vrai, mon 3, il peut pas jouer. Mais je vous le remets par là. Et ouais, mon 3 ne peut pas jouer, il est blessé. Ah, du coup, j'ai pris des ressources physiques pour rien. Ah là là. Et ouais, du coup, il me reste 2. Donc, quand j'ai utilisé mon Maeda Hiroki, à la place de ça, j'aurais pu faire autre chose. Ah, genre, je pouvais prendre au moins 2 points de victoire. Ah, j'espère que ça ne va pas se jouer là-dessus, parce que là, ça va me faire mal si jamais j'ai raté ça. Je pense que je pouvais gagner 2 points de victoire. C'était le mieux que je puisse faire. Avec mon action supplémentaire. Alors, tant pis, on verra. Hein. Ok, et eh ben écoutez, mes forces physiques sont placées, mes fans sont placés. On va regarder le scout. Alors, l'entraîneur de cette équipe se concentre sur l'attaque, ce qui laisse souvent son milieu de terrain assez ouvert. D'ailleurs, le joueur droit de cette zone est blessé, nous devrons donc nous concentrer sur cette faiblesse. Oui, alors celle-ci, on la connaît, c'est juste que lui, ici, il n'y a personne. C'est tout. Mais dans le reste, ça joue très bien, hein, il n'y a pas de problème. De toute façon, voilà, on a une équipe qui est basée comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Hein. On va rester comme ça. Hein. Allez, on y va. Le principal, c'est même si on perd, c'est pas grave en fait. J'ai envie de dire, c'est le dernier match, mais bon, si on peut faire que des victoires et finir invaincu, ce serait parfait. À droite, personne ne shoote. Et nous non plus. À gauche, excusez-moi. Ouais, si moi en plus j'ai du mal avec ma gauche et ma droite. Alors ensuite, il shoote à 3. On a notre 3 qui malheureusement est un générique, donc on ne peut pas l'arrêter. Notre gardien fait son premier arrêt. Ensuite, il shoote à 2. Eh ben, même punition, le 3 sert à rien. Notre gardien fait son deuxième arrêt, déjà. Ensuite, c'est à nous. Le 10 shoote à 4. Donc son défenseur à 3 ne peut rien faire. Son gardien ne peut rien faire. 1-0. Ensuite, on shoot avec notre 6 ici, qui a 3 de force, et du coup, il est bloqué par le défenseur ici. On passe en haut. Il shoot à 1. Je n'ai pas de défense. Mon gardien n'a plus d'arrêt. Un partout. Moi, j'ai pas d'attaquant, donc il se passe rien. Ensuite, on passe au milieu. Donc au milieu, il shoot à 1. Je n'ai pas de défense. Mon gardien n'a plus d'arrêt. 2-1 pour eux. C'est à nous.
Le sang chasuble a 4 de force. Lui a un défenseur à 2 qui ne peut rien faire. Et son gardien qui ne peut rien faire. 2 partout. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est souvent les mêmes. Ensuite, on a 2 attaquants à 1. Et du coup, arrêtez une fois, arrêtez 2 fois. Donc, son gardien a utilisé un arrêt. On passe en bas. Il shoot à 1. J'ai mon défenseur à 1. Donc, il ne se passe rien. Je shoot à 1. Pas de défenseur. Son gardien fait son deuxième arrêt. On est à 2 partout. Mais j'ai ma capacité spéciale de marquer un but. 3-2. Et il a fini par nous sauver, celui-ci. Je savais bien qu'il viendrait un jour nous aider. Et oui. Et donc, c'est encore une victoire. On aura fait un sans faute sur cette deuxième saison. En même temps, je vais dire, sur une deuxième saison, normalement, dans un club, s'il n'y a pas de enfin, il n'y avait pas de règles particulières, il n'y a pas de raison qu'on finisse pas premier. Là, je ne vois pas comment c'est possible de ne pas finir premier. On a le choix des joueurs, on a le choix des encadrants. On part avec un gros avantage, normalement. Donc, je ne me voyais pas ne pas finir champion, clairement. C'est pour ça que j'ai choisi, d'ailleurs, cette place-là et non pas la division 2. Alors, je ne sais pas en division 2 ce que ça pourrait donner. Peut-être que... parce que ça, en fait, ce serait les équipes qu'on rencontre dès le départ et non pas ceux de la division 3. Donc, ça peut peut-être être compliqué de rencontrer ça tout de suite d'entrée de jeu, à moins qu'on direct on chope le gardien. Et là, oui. Là, ok, on peut jouer en division 2. Mais j'avais pas de gardien. Il est là, mon problème. Bref, peut-être que j'aurai une autre occasion de le faire. Peut-être que moi, dans une campagne off vidéo, je le ferai de mon côté. Je sais pas. Je verrai. En tout cas, eh bien, écoutez, c'est une victoire. Donc, on va pouvoir reset tout ça. Donc, on enlève le gardien. On enlève les forces physiques. On enlève la petite blessure. Enfin, normalement, il en reste une. Mais on s'en fiche. De toute façon, il n'y a plus de match. Le G ici ne sert à rien. Qu'il n'y a pas de fait de gagner quelque chose ici ne va rien m'apporter, le fait de blesser quelqu'un ne va rien apporter non plus, il n'y aura pas de point de victoire en plus ou en moins. Ici, eh bien écoutez, on va quand même le faire jusqu'au bout, allez, histoire d'avoir le tableau quand même. Donc nous, on a fait un sans faute, ensuite ce sera notre rival, les Blackstone Kings. Match nul, ils ont craqué à la fin. Le SFC, match nul. Ah, est-ce que les Downtown United vont finir aussi avec une victoire? Non, match nul. Les Dafton, notre future équipe, enfin j'espère, 3, une victoire. Ensuite, on a les Cornfield qu'on a joué, ils ont perdu. Ensuite, ce sera les Bulls, match nul. Et notre ancienne équipe, allez, oui, ils ont fait une victoire. Ah, je suis désolé, mais je suis content pour eux. Voilà, ils finissent pas trop mal au moins. Ok, ça c'est fait. Donc on finit premier largement, largement devant tout le monde. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, on va payer nos frais quand même jusqu'au bout. Donc 2, 5, 7 millions, moins 4, vous avez d'habitude. Donc 3 millions, il m'en revient 2. Hop. Et donc c'est pour ça que je dis tout à l'heure que ma capacité pour rien, parce que j'ai encore 2 bleus là qui me restent. J'espère que ça va pas me coûter 2 points de victoire. Ça... Ah, ça me fait peur rien que d'y penser. Ok, on a fait ça. On est bon. On est bon. Il n'y a plus qu'à compter les points finaux. Et comme un boulet, j'ai pas pris les scores. Alors ne bougez pas, je suis là dans une seconde. Stylo. Bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main, tant pis, on va le faire à l'ancienne. Alors, on a tout d'abord, on va regarder le scénario. Alors, le scénario ici nous demandait eh bien, de finir directeur professionnel, on ne sait pas encore. Si on joue en 3ème division, de finir premier, ça c'est fait. Ensuite, on nous disait avoir un revenu de 5 par semaine.
Ce n'est pas le cas, on n'est qu'à 4. Donc on ne gagne pas les 5 points de victoire. Donc ça, c'est mort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'instant, pas grand-chose. Alors, on a le tableau de la Ligue. Donc, on finit premier. Donc, 15 points de victoire. OK. Ensuite, on a les jetons. Donc, tout ce qui nous rapporte ici en points de victoire. Donc, on va le faire ensemble. Hop, on tourne un petit peu. Voilà. Donc, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points de victoire plus notre jeune talent ici. 11. Ok. Ensuite, ce sont les encadrants. Alors, les encadrants, on n'a pas fait grand-chose comparé à d'habitude. J'ai deux rouges, donc 3 points de victoire. Deux verts, ça fait 6 points de victoire. Et un jaune, 0. Donc, 6 points de victoire en encadrant, c'est pas beaucoup. Ok. Ensuite. Ensuite, c'était les infrastructures que j'ai déjà comptées, donc je vais pas les compter une deuxième fois, ça sert à rien. Ensuite, le bureau. Le bureau, on est à 15. Ok. Et ensuite, ce sont les suspensions. Nous n'en avons pas. Donc, c'est tout pour les points de victoire, ce qui nous fait un total de 10, 16, 17, 1, 2, 3, 47 points. Je la refais avec vous, hein. Je fais le compte. Je suis désolé, j'ai pris un petit bout de papier seulement, uniquement. 15, c'est notre première place. 11, c'est nos points infrastructure plus le jeune talent. Je la refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc les 11 points qui sont là. Ensuite, 6, ce sont les encadrants. 15, c'est le bureau. Et donc, tout ça, ça nous fait 47 points. Donc, 47 points. Ah, j'ai oublié ça aussi. Et j'ai oublié notre objectif, quand même, qui nous donne 4 points, puisqu'on a gagné contre les Black Sun Kings et on a fini devant eux. Donc, plus 4, ça nous fait 51. Pastis, pour ceux qui regardent du sud. Alors, 51 points. Et puis on a fini meilleur directeur de la ligue. C'est pas beau cette affaire. Donc on pourrait, si on voulait, aller à Brightsbury FC en division 2. Ou alors à Smokepool City en division 2. Ou alors à Royalford Town en division 2. Ou alors au Dafton United en division 3. Et bien entendu, comme vous le savez, je vais aller au Dafton United. Pourquoi? Parce que je veux faire tous les clubs. Et oui. Bien entendu, on va tout tester quand même. On va essayer de relever tous les clubs. Et dernière chose, on a fini premier du championnat. Donc, nous avons droit à une coupe. Eh oui, deuxième trophée en division 3. Et si on peut aller chercher le troisième trophée avec les Dafton, ce serait parfait. On va prendre celui-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Après un match, retournez cette carte pour piocher deux cartes tactiques. Choisissant une et défausser l'autre. Ok, bon, si jamais vraiment. Je pense que ces effets-là, je pense que je vais les garder sur des moments vraiment critiques pour me sortir de la panade. Donc, c'est notre deuxième trophée en Division 3. Le premier avec le BFC, le deuxième avec Middleham. Eh bien, écoutez, j'espère que cette saison 2 vous a plu dans le club de Middleham. On va redémarrer quasiment de zéro avec un nouveau club, les Dafton United. Je pense que c'est une équipe plutôt en milieu de tableau normalement, donc ça devrait être assez sympa. On va voir ça. En tout cas, si vous avez aimé cette saison, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour vous voir ce que vous avez fait, comment vous en êtes sorti sur cette saison, si vous avez fait cette saison-là. Et puis à vous abonner à la chaîne pour voir la suite des saisons qui vont arriver, puisqu'il y en a encore pas mal à venir. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi toute cette saison avec Middleham, d'avoir suivi la pré-saison avec Middleham, et j'espère vous retrouver sur la saison 5, donc du coup chez les Dafton United. Merci à tous, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.